Que tu es qui pour parler à Malox? Malox, je mange chez Malox. Malox, je demande encore que quand Prince se met sous feu, il demandait où il va dormir là. Pourquoi Malox ne l'a pas donné même un contrat dans son boivement? Baron Suisse met en garde Malox qui ne veut pas du remix de Bordeaux sur la chanson Viviane de Prince Aimé. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Depuis un certain temps, nous avons vu l'artiste Prince Aimé mis en avant en ce moment sur les réseaux sociaux à cause de la reprise de Viviane par Debordeaux Likumfa. Tout le monde connaît que moi j'ai les désaccords avec Debordeaux Likumfa. Il y a des choses qu'on n'est pas d'accord. Mais je voudrais profiter pour le remercier. D'abord pour lui dire merci. Merci d'avoir mis en avant Prince Aimé. Merci d'avoir fait en sorte que cet artiste abandonné par les autres artistes soit valorisé par un autre artiste qui vient de loin parce qu'il a fait une reprise. Je voudrais dire merci ici à Debordeaux Likumfa. Tout le monde sait que Debordeaux Likumfa, c'est mon bon petit, mais on a les désaccords. On s'est mis ici dernièrement sur la toile. Tout le monde a vu. Parce que je n'étais pas d'accord avec son comportement. Mais quand il fait ce qui est bien, je viens aussi m'asseoir ici pour dire que ce qu'il fait est bien. Mais hier, j'ai vu une sortie. Nous allons lire Malox. Je vais aller sur sa page. Nous allons lire Malox. Quelqu'un, lisons ça. Quelqu'un est en train de s'approprier le patrimoine culturel camerounais. On est là, on rit. Je Wanda même. Tout d'un coup, on est en train de s'approprier. On est en train de s'approprier les choses du Cameroun. Quelqu'un est en train de s'approprier le patrimoine culturel camerounais. On est là, on rit. Je Wanda même. Deuxième poste. On ne fait pas le remis d'un article qui est encore en vie. Non, on va aller. Il dit. Vous aimez quand les artistes camerounais souffrent, n'est-ce pas? Moi, je vais réunir 5 grosses têtes du game. On va faire le remix de Viviane avec Prince Aimé officiel. On va voir comment lui-même, il ne va pas chop sur sa chanson. C'est-à-dire qu'il va réunir 5 grandes têtes. La sorcellerie à la camerounaise. Vous avez pas honte? Vous avez pas honte? Une bande de sorciers, moi je le dis, sans état d'âme. Prince Aimé était avec vous au Cameroun. On ne vous a pas vu. Prince Aimé, que vous êtes en train de parler, si Debordeaux n'était pas venu de la Côte d'Ivoire pour prendre Debordeaux et le mettre comme on a vu là, on ne vous a pas vu. Prince Aimé était ici en Europe, en France. Il chantait dans le métro. C'était tellement dur pour lui. Il a demandé de rentrer au Cameroun. Il est arrivé au Cameroun. Il n'avait même plus où dormir. Je vous remonte la vidéo où Longuet Longuet était en train de demander de l'aide pour lui. Vous étiez tous assis au Cameroun. Vous étiez tous assis au Cameroun. Parce qu'on appelle ça de la sorcellerie. Vous faites de la sorcellerie. Avant que je ne vous montre, moi j'ai eu à appeler Gâteau International qui dit qu'il est le manager. Apparemment c'est le manager. Je lui ai demandé quels sont les accords. Il me dit que tout est parfait. L'équipe de Debordeaux Likumfa a accepté les droits d'auteur à Prince Aimé. L'équipe de Debordeaux Likumfa a dit qu'ils vont valoriser et Prince Aimé va toucher ses royalties. Il m'a même dit que, à la dernière minute, peut-être que Prince Aimé va poser la voix. Ils sont en train d'attendre le truc pour voir si Prince Aimé va aller poser la voix. Maintenant, vous sortez d'où là? Vous sortez d'où? Donc, à chaque fois qu'il y aura un buzz au Cameroun, même les stars, vous allez vous accrocher comme des sangsues, sans honte, sans dignité. Il n'y a pas assez de petits artistes au Cameroun que vous pouvez valoriser. Vous êtes des grosses têtes. Pourquoi vous ne prenez pas les artistes au quartier pour les valoriser? Vous vous accrochez sur. Ivoirien est venu nous montrer qu'il y avait quelqu'un parce qu'il est fumé, mais il a du talent. Malox, tu te poses la question, mais ça, tu le bois vraiment. Prince Aimé n'avait pas dormi à Douala. Est-ce qu'on t'a vu un jour dire que tu vas même organiser un petit concert dans ton bois vraiment pour Prince Aimé? C'est-à-dire qu'organiser même une petite soirée. Une petite soirée pour Prince Aimé dans ton bois vraiment. N'est-ce pas? On a vu comment Prince Aimé pleurer ici. Nous allons voir. Qui l'a pris la main? Longuet Longuet. Voici Prince Aimé ici là, avec Longuet Longuet. Tu as ton projet. Vous étiez tous au Cameroun. C'est toi ce qui voulait, ce que ça peut donner. Voilà Longuet Longuet. En train d'aider Prince Aimé. Vous étiez tous assis au Cameroun. Vous les grosses stars, les grosses têtes, les ceci là. Vous étiez tous assis au Cameroun. Maintenant je t'écoute. Voici Prince Aimé qui a demandé l'aide. Oui, voici Prince Aimé. Prince Aimé parlait de son problème de chambre. Il n'avait pas dormi. Vous étiez assis au Cameroun. C'est Longuet Longuet qui l'amène devant le monde entier. C'est ridiculisé pour dire qu'il dort, il n'a pas où dormir. Vous les grosses têtes là, vous étiez assis au Cameroun. On ne vous a pas vu. Tout d'un coup, un Ivoirien vient pour valoriser. Vous sortez là avec la sorcellerie à la Camerounaise. Vous venez dire que, oui, on va remixer, oui, je vais donner ceci, oui, je vais donner cela. Tout ça pour créer le désordre, après vous allez l'abandonner. Comme d'habitude, nous sommes habitués. Nous sommes habitués à ça. Créer le désordre, quand ça finit, vous prenez vos pieds, vous partez. Et vous le laissez dans sa mère. Il était là, vous étiez où? Hein? Longuet Longuet, quand il se battait, vous étiez où? Vous étiez au Cameroun? Est-ce que j'ai vu un de vous donner même un radis dans les canyons que Longuet Longuet donnait? C'est une partie de l'argent de la diaspora. 4 euros, 6 euros, 4 euros. Tout d'un coup, on vous voit venir. Vous venez là, oh, vraiment, on va remixer avec les grosses têtes. Mais si vous l'aimez, ce que vous allez faire, vous êtes des grosses têtes, vous êtes des grosses pointues. Vous laissez le son Viviane tranquillement. Vous mettez l'enfant en studio, vous écrivez les sons, vous écrivez ensemble, vous le faites sortir un album. C'est ça qu'on dit aider un artiste. Pas venir vous accaparer encore, Viviane, Viviane, c'est quoi avec vous? Laissez Debordeaux finir l'affaire. Laissez Debordeaux finir l'affaire. C'est quoi ça? On est avec des gens, des méchants comme ça là. Tout ça pour gâter. Pour gâter. Oh, je vais donner ceci. Mais le prince se met au Cameroun. Il est encore Cameroun, hein? Vous faites tout ça après Debordeaux Likumfa. Ah bah non. Est-ce que vous avez plus de force que Debordeaux Likumfa? Ce sont là des appris parce que Debordeaux a fait un. Ça a démarré au Nigeria.
C'est venu trouver. Desbordeaux s'est chargé. J'ai demandé encore bien à son manager Gâteau. Il m'a dit que tout est sécurisé. L'équipe Desbordeaux a accepté de donner les droits, ce qui revient à peine semé. Mais vous faites quoi là? C'est quoi votre problème? Vous voulez remixer Viviane combien de fois? 100 fois? C'est quoi ces histoires? Mais vous les mettez à l'art studio, vous écrivez, vous faites des nouvelles chansons. Est-ce que c'est fini? Vous pouvez écrire des nouvelles chansons. Vous les gros stars là qui voulaient, vous êtes 5. Oh, je vais écrire comme ça. Oh, on va faire comme ça. Oh, on va poser. Ne posez pas vos voix sur Viviane. Vous êtes des stars, vous avez des hits. Allez, Presse-Aimé, c'est un compositeur. Vous composez avec lui. Vous le mettez en studio, il sort la chanson, vous produisez. Arrêtez de nous déranger avec l'opportunité. On va pas vous dire ça. Moi, je vous dis ça et puis je vais dormir tranquille ce soir. Je vais vous dire la vérité au calme et je vais dormir tranquille ce soir. On appelle ça la sorcellerie à la camerounaise. Vous êtes en train de vouloir détruire le travail des débordeurs de Koumfa et je ne suis pas d'accord. Laissez le buzz là-bas où il est. Desbordeaux finit, il porte Presse-Aimé, il le soulève. Arrêtez la sorcellerie. Toujours malade dans les coups foirés. Mais il a le boivement là-bas. Pourquoi il n'a jamais invité Presse-Aimé? Presse-Aimé même une fois dans le boivement. Ou bien même. Aidez-moi Presse-Aimé quand il a une soirée, il dit qu'il impose que nos Presse-Aimé fait la première partie comme Longuet Longuet faisait. Nous avons vu Longuet Longuet ici en première partie de session. Il mettait Presse-Aimé en première partie. Il exigeait. Ou vous tous là, vous partez jouer, vous prenez votre argent tranquille. Presse-Aimé n'avait pas de chambre. Écoutons encore. Dès qu'on marche, vous venez déranger les gens que. Oh, je fais. Voici Presse-Aimé, il n'avait pas la chambre quand Longuet Longuet l'a rencontré. Oui. De la sortie de mes nouveaux singles. Il a les sons, allez produire. Bon, on se dit, si vous pouvez avoir une personne qui me donne aussi un coup de main, voilà. Là où je vais vivre, ça pourrait être. Il demandait où vivre. Ménager, voilà. Vous étiez au Cameroun. Et, c'est sur cela que tu as pris l'initiative qu'on fasse la vidéo pour demander un élan de cœur à l'endroit de nos fans. Vidéo où le monsieur s'humilie, il dit qu'il n'a pas où dormir. Mais vous avez tous vu cette vidéo. Cette vidéo date. Vous étiez assis, il n'y a personne qui a réfléchi. Hein? Ça, c'est quand le monsieur demandait de l'aide, il était dehors. Vous étiez tous assis à Yaoundé, à Douala, la personne a réagi. Tout d'un coup, vous connaissez maintenant que, oh, on va faire le remix, on va mettre. Donc, il y avait des gros stars au Cameroun qui pouvaient dépresser. Maintenant, vous voulez déranger le projet. Vous voulez venir créer le désordre. Pour dire que non, il faut que les Camerounais soutiennent le son qui va sortir avec les gros stars. Zéro. Vous êtes des opportunistes. Je vous le dis tranquillement. Et je vous dis ça tranquillement et je vais dormir. Je vais dormir tranquillement. On ne peut pas voir des gens comme ça là. Moi, je voudrais remercier ces débordés de Koumfa. Et Longuet Longuet. Voilà les deux qui se sont sacrifiés. C'est quoi ça? L'homme a été demandé où dormir. Les sponsors, les promoteurs, les personnes ne l'appelaient plus. Il a dû venir sur Facebook parler que je suis abandonné, même dormi, je n'ai pas. Vous étiez là. Tout d'un coup, vous êtes devenu trop star pour venir vous accaparer tout qui ne vous appartient pas. Une bande de sorciers. J'ai dit ça, Vora. Vous n'avez pas honte? Voici ça ici. Quand il va lancer ça, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont cotiser de la diaspora, qui dit héros, qui vend héros, qui 50 euros, les Orange Money. Voici le monsieur en train de recevoir l'argent, Longuet Longuet compter l'argent devant nous tous. Voici l'argent. Voilà l'argent qu'on a en train de compter devant lui. Voici l'argent. C'est Longuet Longuet qui compte l'argent pour qu'il a payé sa chambre. Voici l'argent qui donne à peine ses mains. Voilà l'argent. Longuet Longuet en train de compter l'argent pour lui donner qu'on avait cotisé. La clinique de Vasseron avait envoyé 300 000 francs. Voilà l'argent qu'on a fait compter pour une affaire, mais qu'on a envoyé. Vous les mégastars, vous étiez tous assis au Cameroun. Longuet Longuet a lancé ça, nous étions tous assis ici. On ne vous a pas vu réagir. Vous étiez tous assis au Cameroun. Vous n'avez pas vu qu'il y avait Viviane qui était en bon moment son. On n'a vu personne. Tout d'un coup, on vient voler le patrimoine camerounais, vous rigolez. Mais alors, tu étais là, non? Pourquoi tu n'as jamais invité Presse-Aimé même prester au boivement? Il était là, il n'avait même pas mangé, il était dehors. Vous étiez là. Tout d'un coup, subitement, vous êtes devenu tellement grand. Tellement, vous êtes des mégastars. Vous voulez aussi utiliser le Presse-Aimé pour appeler le jeté comme vous le faites au Cameroun. Mais vous êtes des sorciers, moi je le dis. Quelle honte. Laissez Desbordeaux Likoumfa faire ce qu'il a fait. Laissez Desbordeaux Likoumfa faire ce qu'il a fait. Voici Longuet Longuet. S'il y a quelqu'un qui devait parler dans la fête, c'est Longuet Longuet. Si c'était Longuet Longuet qui disait qu'il va remixer ça, j'allais dire que papa, vas-y. Parce que nous avons vu Longuet Longuet prendre sur lui. J'allais prendre l'argent pour le mettre. Voici l'argent qui compte pour le mettre que le monsieur a payé sa chambre. Vous étiez tous assis au Cameroun. Hein? Voilà l'argent. 9, 10. C'est le même Presse-Aimé qui est là. Voici Presse-Aimé et lui, après un spectacle de Longuet Longuet. Longuet Longuet le fait jouer, il marche avec lui partout pour le valoriser. Voilà. Pour le valoriser. Après, voilà ça. Voilà, voilà Longuet Longuet. Longuet Longuet a fait en tant qu'ambassadeur des causes sociales et je vais le saluer toute ma vie. Le voici. Donc voilà, Presse-Aimé a maintenant les promesses de spectacle. Presse-Aimé a déjà eu quelques mandats. Vous avez entendu? Voilà Longuet Longuet en train de se battre pour que Presse-Aimé ait des spectacles. Voilà ça. Donc, quand moi je lis les Malox, voilà Longuet Longuet qui a fait des choses. Quel patrimoine on vient voler? Quel patrimoine on vient voler? Quel patrimoine
Bordeaux, Likoumfa vient voler au Cameroun. Quand ce monsieur n'avait rien, on ne vous a pas vu. On ne vous a pas vu, vous étiez tous assis à Yaoundé et à Douala assis. Donc laissez Bordeaux, Likoumfa finir son travail avec Prince Aimé. Ils disent que, oui, pourquoi il n'est pas dans le son? Nous avons vu Beyoncé ici, jouer les Anglais, ils étaient dans le son de Beyoncé. Mais les Anglais le mangent encore ça, aujourd'hui. Les droits d'auteur étaient de nos Anglais, ouais. L'artiste n'est pas obligé d'être dans le son du moment que les accords sont bien et que les droits d'auteur te reviennent. Tu manges, tu es assis, tu n'as pas besoin d'être dans un clip. Si vous aimez tellement Prince Aimé, vous les gros stars, là, comment on vous connaît là? C'est simple. Vous payez un studio, vous vous mettez, vous faites des feats, vous faites un mini album de 5 grands artistes autour de Prince Aimé. C'est tout ce que vous pouvez faire. L'affaire de Vivian, vous voulez remixer 100 fois là. C'est de la sorcellerie. Si vous aimez Prince Aimé, prenez le temps maintenant d'aller produire Prince Aimé. Maintenant, il a le buzz, il a la lumière. Malox, mets-le en studio, tu appelles tes amis là. Chacun vient. Je crois que Prince Aimé a beaucoup de sons qui sont déjà prêts. Prince Aimé a beaucoup de sons qui sont déjà prêts. Vous allez en studio, vous arrangez, vous posez vos voix. Vous lui faites 5 chansons, mini album, vous mettez dehors. C'est ce qu'on dit aider un artiste. Ne venez pas avec vos histoires de charognard gâter ce qui est en train de relever ce monsieur. Avant que les Bordeaux ne prennent Vivian, vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez où? Une bande de charognards, vous étiez où? Des Bordeaux a fini de travailler. Des Bordeaux a fini de mettre en avant le son. Qui vous dit que des Bordeaux, une fois, n'aura pas conseillé, il invite Prince Aimé à venir chanter avec lui? Qui vous dit que peut-être des Bordeaux n'aura pas une tournée internationale, il demande que Prince Aimé soit là, en première partie? Qu'est-ce que vous savez de l'avenir? Puisque vous avez les queues secs et moi, vous croyez qu'il va finir, il va partir, il va laisser le monsieur. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire et créer le désordre là? Pourquoi Malox veut créer le désordre dans cette histoire? Pourquoi Malox veut créer le désordre dans cette histoire? Si ce n'est pas pour faire du mal à Prince Aimé, pour moi c'est de la méchanceté. Nous savons tous que Debordo est presque prêt à finir le son. Nous voyons comment il y a du buzz, ça se passe bien. Il va aider. Maintenant, ils disent que oui, on va prendre 5 grosses têtes. Tout ça parce qu'après, on dit que consommons camerounais. Oui, il faut qu'on aille. On laisse le son que Debordo a fait, c'est pour les Ivoiriens. Il faut qu'on aille écouter ce que les grosses stars camerounaises ont fait. On connaît comment vous fonctionnez. Consommons camerounais pour gâter, pour créer le désordre. Parce que si le son des camerounais soit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire que oui, il faut que tout le monde se concentre pour écouter ce que les grands stars camerounais ont fait. Consommons d'abord camerounais et on va abandonner le son que Debordo Likoumfa fait pour Prince Aimé. Voilà ce qui va se passer. Je vois ça déjà de loin. Juste pour créer le désordre entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Moi, j'ai vu mon petit ténor là. Tu sais que j'aime beaucoup mon petit. Je t'ai toujours dit que tu as beaucoup de talent. Faut pas entrer dans ce genre de trucs là. La Côte d'Ivoire, c'est ton deuxième pays. Ce pays-là t'a porté quand le Cameroun t'a abandonné. Ténor. Ce pays t'a porté quand les Camerounais ont sorti le gourdin sur toi. Ceux qui t'ont porté, c'est la Côte d'Ivoire. C'est cette Côte d'Ivoire là qui t'a tout donné. Qui t'a aidé à remonter la pente. Quand les gens font ce genre de choses pour accuser des Bordeaux du coup de venir voler le patrimoine camerounais, il ne faut pas que tu te mêles de ce genre de choses. Tous ces artistes là, ce n'est pas bien. Tous ces artistes-là, ce n'est pas bien. Il faut refuser de te mêler de ce genre de choses. Ça ne grandit pas. C'est moche. C'est très moche. Pour moi, il faut que Debordo Likoumfa finisse son travail. Si les artistes camerounais veulent aider Prince Aimé, il a d'autres chansons. On ne vous demande pas de le produire. Si vous produisez même d'autres chansons, moi, je vais partager. Allez prendre. Apparemment, il a mis son album qui est prêt. Allez là-bas, vous posez vos voix, non? Posez-le en studio, vous posez vos voix. Est-ce que c'est compliqué? Prenez Prince Aimé. Vous prenez 5 grandes têtes, comme vous avez dit. Vous posez vos voix. J'ai vu ma soeur Denis Basson dire qu'elle va aider pour les clips. Vous le mettez, il fait les clips avec vos grandes stars. On va partager ça. Mais laissez l'affaire de Viviane là, c'est comment avez-vous? Pourquoi tout le monde est seulement sur l'affaire? Vous ne croyez pas votre talent? Écrivez, vous pouvez écrire des chansons qui vont dépasser Viviane. Le monsieur a le vent en poupe. Montrez votre talent. Laissez ça aller écrire des belles chansons. Nous, on va danser. Laissez, on va danser. D'accord? Personne ne va. Allez, prenez Prince Aimé, vous mettez en studio. Allez ça, laissez l'affaire de Viviane là. Nous sommes fatigués. Tout le monde veut manger dans l'affaire. J'ai vu un autre. La pichette est venue nous sortir un autre papa là. Oh, c'est lui qui avait le son depuis, on a seulement, depuis des années. Mais vous allez tout nous montrer. Depuis, on a vu des Bordeaux Likoumfa parler après ses mains. Laissez la fête se faire. Moi, j'ai eu Gâteau International qui m'a dit que c'est lui le manager en ce moment. Il m'a dit, tout va bien. Les accords sont solides avec l'équipe de Bordeaux. Prince Aimé ne va pas sortir perdant de là. Moi, c'est tout ce que je voulais vérifier. Du moment que Prince Aimé va gagner aussi. Vous faites quoi au milieu de ça là, que vous êtes des grands stars? Mais dis donc, c'est quoi même avec vous, non? C'est quoi avec vous avec la sorcellerie au Cameroun? Malheureusement, tout, il est toujours dans les bêtises. Un grand artiste est toujours dans les bêtises. Toi, là, n'est-ce pas, il y a quelques jours, tu étais avec Debordo Likoumfa. On va voir ici, là. Toi, avec Debordo Likoumfa, en train de faire le Congo, ça. Hein? Toi, avec Debordo Likoumfa, en train de faire le Congo, ça. La dernière fois, tu étais au Cameroun. Mais vous voici, non? Te voici ici avec ton ami. Hein? Te voici avec Debordo Likoumfa. Vous êtes ensemble. Maintenant, tu dis que Debordo vole le patrimoine camerounais. Voilà ça. Il n'y a même pas quelques mois, vous étiez ensemble. Je pense que c'est en juin. C'était en fin juin, vous étiez ensemble. Maintenant, tu fais quoi au Cameroun que Debordo vient voler le patrimoine camerounais? On peut dire ça? C'est ton ami? Hein? C'est ton ami? On ne dit pas ça de son ami. Il vole quel patrimoine camerounais? Il vole quel patrimoine camerounais? Allons là. Quand il vient voler le patrimoine camerounais, quel patrimoine camerounais il vole? Quelqu'un vient voler le patrimoine camerounais. Voilà ça.
Quelqu'un est en train de s'approprier le patrimoine culturel camerounais. On est là en Rwanda. Hein. Donc Debordeaux s'approprie le patrimoine culturel camerounais. Debordeaux seul a volé tout le patrimoine culturel camerounais. Ha! Cameroun, je vous donne les mains. Debordeaux seul a volé parce qu'il est en train de remixer Viviane. Il est en train de voler tout le patrimoine culturel camerounais. Et il y a les gars là-bas, au quartier, qui ont les chansons qui dépassent Viviane. Allez les produire. Allez les produire. Debordeaux ne vole aucun patrimoine camerounais. Debordeaux remixe un son avec l'accord de l'artiste. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Est-ce que c'est difficile à comprendre? Pourquoi vous voulez absolument gâter ce projet en créant le désordre? Il ne vole aucun truc. Oh, on va maintenant mettre tel. Oh, je vais faire comme ça. Oh, on va remixer avec les grandes stars. Oh, les grandes stars. Oh, je vais amener ceci. Vous n'avez pas honte? Donc les stars camerounais sont arrivés à ce niveau. Ou même ils entrent déjà pour essayer de se faire remarquer sur un son d'un handicapé. Vous êtes à ce niveau, ça veut dire que l'inspiration est tellement finie. Vous êtes au niveau où vous courez après le son de quelqu'un. On peut faire ça. Tu attends quel retour de Poutine, Sabine et Wolo. Poutine, c'est quoi? Vous ne pouvez pas dire la vérité à Malof. Est-ce que c'est normal ce qu'il fait? Vous attendez quel retour? Il va dire quoi de plus? Vous croyez que moi, la femme m'insulte, ça glisse sur moi? Je m'en fous. Mais je lui dis la vérité. Si vous avez peur de lui, là, moi, je n'ai pas peur de lui, il ne me donne pas manger. Je dis, mais pourquoi il n'a jamais invité Prince Aimé au boivement? C'est maintenant que Debordeaux recoupait l'enfant, qu'on les voit sortir comme des charognards. On ne va pas lui dire ça et puis on va aller dormir. Pourquoi? Il va faire quoi? Il va me dire quoi de plus? Il va me dire quoi de plus? Est-ce que ce qu'il fait normal? Il est en train de créer le désordre autour de Prince Aimé et c'est pas normal. S'il veut aider Prince Aimé, il met Prince Aimé en studio avec ses amis, ils font d'autres sons. On ne peut pas accepter que quelqu'un de la clan de Malof qui devait plutôt encourager Debordeaux à venir créer le désordre. Et on ne peut pas lui dire ça, on ne va pas dormir en paix. Pourquoi? Il va faire quoi? Il va dire quoi de plus? Il va écrire et puis ça va changer quoi? On lui aura déjà dit ce qu'on pense. Et puis on va aller dormir et puis il y aura rien. Vous croyez que Poutine c'est quoi? On a peur de lui? On n'a pas peur de lui. On lui dit ça, voilà. Et puis ça chauffe pas. C'est quoi vos histoires que Poutine, le retour de Poutine? Poutine a fait quoi? Est-ce que c'est normal ce qu'il est en train de faire? Il est en train de stars camerounais dans la bêtise. Seulement, ils sont là comme des hommes sans imam. Sans imam, personne ne peut lui dire que non, ne fais pas ça. Ne fais pas ce que tu es en train de faire n'est pas correct. Laisse Debordeaux finir le projet. Si on veut aider Prince Aimé, mettons-le en studio, on fait même 2, 3, 4 feats avec lui. Qu'est-ce qu'il dépasse de faire des feats avec Prince Aimé? Il peut faire des feats avec Prince Aimé. Hein? Il peut faire des feats avec Prince Aimé. Il peut faire des grands feats avec Prince Aimé. Écrit 4, 5, 6 sons. Ok? Et puis, dès qu'ils font ça, ils produisent, ils font les clips. Nous, on va partager. Mais l'affaire de Viviane, là, on ne peut plus respirer, là, c'est quoi? Donc, ils vont se mettre 4 à 5 gros stars pour reprendre encore Viviane. Que Debordeaux est en train de reprendre pour Prince Aimé. Ce n'est pas le désordre, c'est quoi? Et on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Poutine. Il vomit le feu. Il vomit le feu, c'est chez vous là-bas. Hein? Moi, ce que j'ai dit, je dis, oh, et puis je dors tranquille. Je ne dis pas ça, pourquoi? Ça, c'est le désordre. Voilà. Debordeaux qui est en train d'amener Prince Aimé au niveau de la Côte d'Ivoire pour essayer de l'élever. Qu'est-ce que vous en savez? Il peut faire quelques plateaux là-bas. On vous connaît au Cameroun. On a vu comment Aïcha Tchamb a été élevée en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est une star au Burkina. Au Cameroun, on élève les gens comme ça. Vous avez le vieux qu'on appelle Grand Barak, là, qui est en train de dire que rentrer chez toi et. Depuis là, il fait le désordre, mais ça, on est en train de rire. Il va aller où? C'est le gars en Côte d'Ivoire, peut-être qu'il est la star. Hein? Oui, on a vu Aïcha Tchamb partir de la Côte d'Ivoire, du Burkina, devenir star en Côte d'Ivoire. Les gens là, ils élèvent sans arrière-pensée. Ça veut dire que Prince Aimé là, Debordeaux pour finir son, ça décolle. Il invite Prince Aimé à toutes ses tournées en Côte d'Ivoire. Il lui donne 4 dates là-bas. C'est parti. Il peut être en tournée européenne. Il dit que non, je peux, pour une grande salle, je voudrais en première partie Prince Aimé. C'est ce qu'on veut. Pourquoi vous ne voulez pas? Je vois, Méline Attarna, tu es qui pour parler de Malox? Tu vois Malox? Mais je dis, hein, Malox, si Malox me donne à manger, moi, il ne me donne pas à manger. Je ne le vois pas, mais il ne me voit pas, c'est tout. Qui mange chez quelqu'un? On ne va pas lui dire ce qu'on pense parce qu'il crée le désordre. On va lui dire ça et puis on va dormir. On va lui dire ça, voilà. Ce qu'il veut faire là, c'est le désordre. Et on ne va pas. Moi, je suis là pour la culture et je dis ce que je pense. Si lui, il vous effraie là, moi, il ne m'effraie pas. Que tu es qui pour parler à Malox? Malox, je mange chez Malox. Malox, je demande encore que quand Prince Aimé souffrait, il demandait où il va dormir là. Pourquoi Malox ne l'a pas donné même un contrat dans son boivement? Maintenant que Debordeaux est venu récupérer, il vient créer le désordre. Et on ne va pas lui dire ça pourquoi? Pourquoi ils veulent remixer Viviane avec 5 gros stars pour créer le désordre? Parce que quand ça va sortir, pour Debordeaux va sortir, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont nous demander. Parce qu'on les voit venir. On se connaît au Cameroun. On les voit venir de loin. Voici ce qui va se passer. Debordeaux va sortir pour lui. Peut-être avec Prince ou pas Prince. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre Prince comme des charognards, l'utiliser. Mettre 4, 5, 6 stars autour de Prince Aimé. Dites que oui, voici ce qui est bien. Voici le truc qui est bien. C'est ça qui est bien. Et tout, et tout, et tout. Et après, ils vont nous dire non, consommons Camerounais, c'est mieux. Vraiment, ils ne l'ont même pas mis dans le clip. Ils n'étaient même pas dans le clip. Ils ont fait même utiliser Prince Aimé. Créer le désordre comme ça là. Et c'est terminé. Ça va décourager Debordeaux. Et puis c'est fini. C'est fini. Quand Debordeaux va se décourager, il va déposer. Oh, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire le bruit là, peut-être 1, 2, 3 mois. Ils vont déposer Prince Aimé. On se connaît en détail au Cameroun. Et c'est toujours comme ça. Alors que la version de Debordeaux, qui a déjà été prise au Nigeria, si Debordeaux fait ça bien, Prince Aimé peut s'asseoir et manger tranquillement. Nous connaissons comment ça fonctionne. L'Afrique de l'Ouest, là, si le son est numéro 1 là-bas, Prince Aimé va bien s'asseoir. Donc, à un moment là, il faut qu'on arrête le désordre. J'attends urgentement son remix de Viviane. Je vais partager, je vais manger et je vais danser. Je dis toujours que Debordeaux,
C'est quelqu'un avec qui on a tourné des années. Mais quand il a fait comme moi, je lui ai dit ça, hein, sans avoir peur de le lui dire. Et il le sait. Il a appelé, il lui a dit ça. En face, et je lui ai dit ça aussi. Derrière. On se niagami, mais c'est mon petit. Quand il faut dire les vérités, je dis les petits, les vérités. On ne peut pas se comporter comme ça parce que je vais dire que ce sont les Camerounais, il faut que je les soutienne. Tous ces stars-là, ce sont mes amis, je les connais. On a travaillé ensemble. Mais quand ils font ce qui est mauvais, il faut leur dire ça. Il faut leur dire ça et puis bien dormir. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est la sorcellerie à la Camerounaise. Je les vois venir en train de combattre des bordeaux de Koufa. Et c'est pas bien. Laissez à des bordeaux le son Viviane, il finit. Si vous voulez, même dans 5 ans, revenez. Si vous aimez Prince, aimez, allez le mettre en studio, allez l'aider. Faites les sons, d'autres sons avec lui. Je crois qu'il a un album qui est prêt. Allez déposer vos voix là-bas. Donnez-lui la force là-bas. Et je vais finir par parler à Prince Aimé. Prince Aimé, n'oublie pas où tu viens. Remarque que les Camerounais viennent toujours derrière toi quand il y a le soleil. Et après, ils vont tous t'abandonner. Toi, tu es aveugle. Hein? N'oublie jamais ça. Donc, regarde où tu dois aller dans la bonne direction. Ne te laisse pas distraire. Si tu as donné ton accord avec Desbordeaux, finis avec lui. Ne fais pas que les gens là, je t'ai vu hier, tu es allé partager l'affaire de Malox. Fais attention, quand en cherchant à manger des deux côtés, tu vas perdre. En cherchant à manger des deux côtés, tu vas perdre, Prince Aimé. Je vais profiter pour dire ça aussi à Gâteau International. Tu es son manager en ce moment. Si vous cherchez à vous éparpiller et manger dans tous les camps, vous allez perdre. Je vous conseille de rester où Dieu vous a amené la première fois. Restez derrière Desbordeaux, finissez avec lui. Si ceux-là veulent aller faire le remix là, ne mettez pas le visage. Exigez juste, si vous faites quelque chose pour Prince Aimé, vous faites des nouvelles chansons avec eux et les nouveaux clips. C'est sur ce tenant que vous devez aller avec eux. Si quelqu'un veut aider Prince Aimé, il marche avec Prince Aimé, il fait un feat avec Prince Aimé sur un nouveau son, il clip avec Prince Aimé. Tu as compris, non, Gâteau? L'histoire là, si je dis bien, si vous voulez vous éparpiller, vous allez perdre. Vous avez écouté dans cette vidéo Baron Suisse qui est très en colère sur le comportement des Camerounais après l'annonce de Desbordeaux le Koufa sur le remix du son Viviane de Prince Aimé. Baron Suisse dit ne pas comprendre les Camerounais qui sont avec Prince Aimé depuis plus de 20 ans, qu'il a sorti ce son Viviane et après cela, il est devenu l'ombre de lui-même et aucun Camerounais n'a songé lui venir en aide à part Longuet. Aujourd'hui que sa gloire a sonné et Desbordeaux le Koufa a décidé de faire le remix de cette chanson pour que Prince Aimé, abandonné à lui-même par les artistes camerounais, ait de quoi manger, Malox et les autres artistes camerounais sont subitement sortis de leur cachette et veulent faire le remix du même son de Prince Aimé. C'est que la Baronne Suisse qualifie de sorcellerie à la camerounaise. Baronne Suisse demande à Malox de faire très attention et demande à Prince Aimé et son manager Gâteau International de signer derrière Desbordeaux le Koufa et de ne pas se laisser dérouter. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.